Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merveilleusement bien. Et aujourd'hui, pour continuer ma série sur les pervers, les manipulateurs, sur les pervers narcissiques, je vais vous expliquer en quatre étapes comment on reconnaît de manière très simple, par son attitude, un pervers narcissique. Alors peut-être que vous n'en avez jamais croisé, peut-être que vous en avez dans votre vie, peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie et vous ne savez pas encore comment les classer. Alors c'est très simple. Quand vous êtes en contact avec une personne manipulatrice, un pervers narcissique, eh bien, quelques temps après, vos affaires vont moins bien, vous avez une problématique qui s'installe au niveau du boulot, vous commencez à être fatigué, ça c'est la première clé pour identifier ça. Deuxièmement, vous culpabilisez, vous êtes coupable de tout, vous êtes en train de réfléchir par rapport à plein de choses qui ont été sous-entendues ou dites. Et puis, troisième chose, vous perdez confiance en vous. Vous commencez à vous trouver nul, que vous n'êtes pas comme ci, pas comme ça. Vous étiez bien un ou deux mois avant, et depuis que vous avez rencontré cette personne, que vous la fréquentez, non seulement vos affaires commencent à aller un peu moins bien, mais vous êtes dans un malaise, vous vous sentez coupable de plein de choses, et surtout, vous vous dépréciez totalement. Alors, comment vous allez pouvoir reconnaître si cette personne est un pervers narcissique? C'est très simple. Les pervers narcissiques ont pour ceci d'être au-dessus de tout. Voilà, tout tourne à leur avantage. Il n'y a rien qui vient d'eux. Ils sont au-dessus des autres. Voilà. Quoi qu'il puisse se passer entre vous et cette personne, ça sera toujours votre faute et jamais la sienne. La deuxième chose, c'est qu'ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison, même quand ils ont tort, ils vont trouver des excuses pour vous dire que c'est de votre faute et vous allez encore plus culpabiliser pardi. Troisième chose, ils vous embrouillent. Vous ne comprenez pas pourquoi tout d'un coup dans la discussion, il y a quelque chose qui arrive comme ça, qui n'avait rien à voir. Vous êtes totalement embrouillé. Et puis la quatrième chose dans laquelle ils vont se manifester, c'est le fait qu'ils sont toujours, mais alors toujours, en train de vous culpabiliser. Et surtout, vous ne comprenez rien à ce qu'ils racontent. Ils y sortent des choses qui n'ont rien à voir. Vous êtes en train de prendre un café, et puis tout d'un coup, tiens, t'as jamais changé de coupe de cheveux. Vous ne comprenez pas ce que ça vient faire là. Mais pourquoi tu parles non, comme ça, t'as jamais rien dit, non. Non, c'est juste pour savoir, depuis quand tu as cette coupe de cheveux? Voilà, et eh bien écoutez, dès que vous avez ces quatre caractéristiques, fuyez, partez vite, car vous ne gagnerez jamais avec un pervers narcissique. Son seul but, c'est d'affûter ses armes pour à chaque fois qu'il trouve votre point faible, vous faire culpabiliser, vous faire devenir victime, et vous allez passer de sales moments après la rencontre. Voilà, j'espère que ceci vous servira à mieux identifier les pervers narcissiques, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.